Mars 1796. Après plus de 6 ans de terreur et d'instabilité, un nouvel exécutif, le directoire, formé de révolutionnaires modérés, gouverne la France. Assaillie de toutes parts par les puissances monarchiques d'Europe, la nouvelle République se doit de porter la guerre en territoire ennemi et reprendre l'initiative. Un jeune Corse flamboyant est chargé du commandement de l'armée du Sud qui doit envahir l'Italie. Ce jeune officier de 26 ans, nommé Bonaparte, mais voilà, envoie donc une missive aux soldats de sa nouvelle armée, basée à Nice. Soldats, le directoire exécutif m'a chargé du commandement de l'armée du Sud et de ses 37 000 hommes pour envahir l'Italie. Les ennemis de la France dans ce pays sont nombreux. Les généraux autrichiens Beaulieu, Würzmer, Davidovich et Dalvinzi, ainsi que les puissants comtes piémontais. Une partie de l'armée est déjà rentrée en Italie. Les combats sont âpres et sanglants. Elle est bloquée depuis 2 jours aux environs de la ville d'Arcole en Toscane du Nord. Le pont qui garantit l'accès à la ville est tenu par les Autrichiens et l'armée attend du renfort pour lancer une dernière offensive. La partie ne s'annonce pas facile. Masséna, Augéro et André aussi, mon fidèle état-major, arrivera dans 5 jours au camp de Nice où vous devrez converger pour les rencontrer. Ils se chargeront d'évoluer votre niveau et d'organiser ma venue le soir même. Nous partirons le lendemain pour Arcole et prendre ce satané pont aux Autrichiens. Que ceux qui ont aiguisé les poignards de la guerre civile en France, qui ont lâchement assassiné nos ministres, incendié nos vaisseaux à Toulon, tremblent. L'heure de la vengeance a sonné. Rétablir le Capitole, y placer avec honneur les statues des héros qui se rendirent célèbres, réveiller le peuple romain engourdi par plusieurs siècles d'esclavage. Tel sera le fruit de nos victoires. Vous aurez la gloire immortelle de changer la face de la plus vieille puissance de l'Europe. Tenez-vous prêts à Nice et attendez les instructions.